Bonsoir chers internautes, chers téléspectateurs. Nous sommes heureux de savoir que vous écoutez ce soir, comme d'habitude, sur InnoTV. Hein? Aujourd'hui, nous allons être ensemble au cours de notre émission Agenda. Nous allons recevoir Madame Danielle Niosoa, épouse Momblé, qui va nous présenter un projet, votre projet, et ensemble nous allons le redécouvrir. Bonsoir Madame Danielle. Bonsoir Monsieur Jean-Claude Boucou. Est-ce que vous nous parlez un peu de Zawat, c'est le nom de votre projet, et précisément les particularités de... Merci à tous ceux qui nous suivent sur la télévision InnoTV, à l'émission Agenda. Ah, ok, je suis Daniel Niosoa, épouse Momblé, et je suis l'organisatrice de l'Ivorian UK Awards. Et l'Ivorian UK Awards, c'est un événement annuel qui visera à récompenser les membres de la communauté ivoirienne qui se sont distingués par leur travail et leurs accomplissements dans leur domaine d'activité respective et qui ont, à travers des œuvres qui valorisent l'autonomisation et le développement de nos communautés et aussi notre pays. D'accord. Par là, vous voulez mettre en avant les talents de la communauté ivoirienne ici en UK et d'autres communautés bien sûr. Non, uniquement... cette initiative c'était seulement pour les Ivoiriens et c'était la seule condition pour être nominé. C'était la seule condition, la condition était d'être seulement ivoirien. C'était pour moi un moyen de montrer ce qu'on a dans nos communautés, les talents et aussi les activités que nous avons dans nos communautés. D'accord. Et dans ce cas, comment, est-ce qu'il y a des critères pour nominer ces talents? Pour les critères, je dirais qu'il y avait seulement un ou deux, je peux dire, et il fallait être âgé de 18 ans et aussi être ivoirien. Et alors, comment aller au vote? Ok, les nominations se sont faites sur la page Facebook qui est Ivorian UK Awards. Et d'abord, il y avait des liens qui étaient là et j'avais donné l'opportunité à tous les Ivoiriens de nominer dans chaque catégorie. Et au début, c'était 15 catégories, mais nous sommes arrivés à 22 parce que les gens me disaient qu'il faut ajouter d'autres catégories. Donc nous sommes retrouvés avec 22 catégories. Et c'était seulement une falaise pour moi. Et c'est sur la page Facebook, il y avait des liens pour nominer. Et après, quand j'ai arrêté les nominations, nous avons continué avec les votes, avec d'autres liens. Est-ce que, par rapport au temps, est-ce que vous pouvez nous parler de ces catégories rapidement? Oui. Ok, nous avons 22 catégories, comme je disais, et nous avons meilleur coach, c'est-à-dire ceux qui nous donnent des conseils, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien dans la vie active, quelqu'un dans ta communauté, dans la communauté ivoirienne qui pense qui est vraiment influençable, qui te donne des conseils, ça on les appelle les coachs. Il y avait la catégorie coach, best coach, il y avait aussi les personnes influençables de la communauté, comme hommes et femmes, j'ai divisé parce qu'il y en avait quoi, un grand nombre. Donc j'ai visé, il avait la catégorie Best Influential Personality, Femmes et Hommes. Et aussi on a Best Author, les écrivains et les éditeurs. On a ça aussi, on avait la catégorie Best Entrepreneur, ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, ceux qui font des business, qui ont créé leur business ici. On a presque meilleur DJ pour nos cérémonies, comme nous avons des cérémonies, ceux qui viennent animer nos émissions. Nos cérémonies, on les appelle les DJ. On avait aussi les maîtres de cérémonie, c'est-à-dire les MC, ceux qui sont dans les cérémonies que nous avons. Nous avons aussi les chambres de l'éternel. Dans la communauté, nous sommes vraiment, nous avons été bénis par des personnes, des femmes et des hommes qui chantent pour la gloire de l'éternel. Et ceux aussi, ils ont été nominés. Nous avons aussi des chanteurs, ceux qui ne chantent pas pour Dieu, mais qui chantent pour... Comme des mortels. Voilà. C'est quoi appelle
communément la musique profane. On avait les chanteurs, on avait aussi Muir Magazine, Best Ivorian Shop. Donc ceux-là mais qui vendent des produits alimentaires, des produits ivoiriens. On a aussi le meilleur restaurant. On a des restaurants ici et tout ça c'est des Ivoiriens. On a le meilleur event qui est le promoteur d'événements. On a aussi ça. On a Best Instrumentalist, c'est là qui joue, que ce soit piano, n'importe quel instrument que tu joues. Du moment où tu joues un instrument, tu peux être nominé. Et on a aussi ceux qui importent et qui exportent, ceux qui envoient nos bagages pays pour remettre à nos parents, ceux qui ont aussi, qui nous amènent des choses, ceux grâce auxquels nous avons aujourd'hui des moyens, nous avons la possibilité de manger nos produits alimentaires, pour avoir des trucs qui viennent de la Côte d'Ivoire. Donc ceux-là aussi, il y avait les catégories. Il y avait aussi les couturiers, Best Designer, Fashion Designer. On a aussi Best Hairdresser, qui est un salon de coiffure, ou bien une dresseuse, c'est la même qui te rend toujours belle, celle-là qui te dresse. On avait aussi cette catégorie. On a aussi Best Makeup Artist, c'est la même qui nous rend toujours belle. Quand on a des événements, c'est la même qui viennent et qui nous rend plus belle. On a aussi Meilleur Magazine, ou bien Télévision en ligne, ou bien Radio en ligne. Et aussi on a les ONG. On a aussi les ONG. Et pour finir, maintenant on a aussi les associations. Parce que vous savez, chaque communauté a une association, chaque groupe, chaque village. Donc aussi on a les best associations. Ceux-là même qui font des activités dans la communauté, dans leur ville. Et que ce soit une association du village, ou bien une association de la ville, ou bien n'importe quelle association, il y avait aussi cette association. Donc au total, les deux catégories. Ah oui. On se rend compte qu'il y a, il y a une vue panoramique de la communauté ivoirienne ici au UK. Et partant de là, est-ce que vous pouvez parler de la cérémonie, s'il vous plaît, du 9 juin? La cérémonie aura lieu le 9 juin. C'est un dîner gala, c'est-à-dire qu'on va manger. Parce que comme vous savez ici, l'Angleterre, les gens travaillent beaucoup. Il y a des gens qui viendront peut-être du boulot. Donc, ça commence à partir de 17h. À 17h, c'est l'entrée des invités. À partir de 17h, il y aura aussi de la nourriture. On va manger, on va danser, il y aura de l'animation. On va aussi faire la cérémonie que nous sommes venus pour célébrer. Ceux que nous sommes venus pour célébrer seront là. Donc, à partir de 19h, on va commencer la cérémonie de récompense. On va récompenser. Très bien, Nelson. Vous avez parlé de la cérémonie du 9 juin. Et est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse et où trouver les tickets, s'il vous plaît? Ok, l'adresse, ça est sur les flyers, mais c'est à Broadwater Farm et c'est au nord. On a, je crois, c'est Broadwater Farm Adams Road et c'est N176HB. Broadwater Farm Adams Road, N176HB. Et les tickets sont déjà en vente. Vous pouvez désormais acheter vos tickets chez ISQ Restaurant. Et on a aussi Kiki Market qui vend les tickets. On a. Vous pouvez aussi les trouver ici, Eventbrite et aussi notre soeur, Maman Délice du Trésor, elle aussi est venue. Donc il y a Kiki Market, il y a Délice du Trésor et il y a ESP Restaurant. Et aussi vous pouvez faire des transferts bancaires dans le compte sur la page ou bien sur les affiches. D'accord. Est-ce que... vous avez un partenariat pour couvrir cet événement? Est-ce qu'il y a une chaîne de télévision qui est annoncée déjà ou qui est déjà qui travaille avec vous en ce moment? Oui, mon daddy. Mon daddy de IOT qui va couvrir le match. Merci chers téléspectateurs. Vous voyez bien que la communauté ivoirienne qui se basait à UK est bien structurée, bien organisée
Et le 9 juin 2018, à partir de 17h, comme il est annoncé à travers ce leaflet, vous êtes donc conviés à venir très nombreux pour apporter votre pierre dans cet édifice. Madame Danielle, s'il vous plaît, est-ce que vous avez un message particulier à faire passer à nos internautes ou à nos spectateurs? Ok, comme je le dis toujours sur ma page Personnel Life, je demande seulement à toute la communauté ivoirienne et d'ailleurs, pour aussi inviter vos amis, de sortir nombreux pour venir soutenir nos nominés. C'est-à-dire qu'il faut encourager la communauté. Ce n'est pas facile d'entreprendre dans un pays qui n'est pas le nôtre. Avec la langue et tout ce qui blocage dans ce pays, pour que quelqu'un arrive à entreprendre aussi, il faut vraiment encourager. Donc je demande à tous les Ivoiriens, tous vos amis, tous les amis des Ivoiriens, le jour de l'événement, il y aura un MC français et un MC anglais. Donc c'est-à-dire que quand l'autre parle en français, l'autre va traduire en anglais. Donc tout le monde était, c'est la seule condition, c'était pour être Ivoirien, d'être pour voter, pour être nominé. Mais pour la soirée, tout le monde est invité. Alors je demande à tout un chacun de vous, de tous nos fans, tous les Ivoiriens, tous les amis des Ivoiriens, à sortir nombreux pour soutenir nos nominés. Et aussi, n'oubliez pas de venir acheter son matériel scolaire. Ça peut être un bic, un paquet de bic pour d'un magasin de One Punch Shop. Ça n'a pas besoin d'être, comment on appelle, ça n'a pas besoin d'être vraiment cher. N'importe quoi, qui peut donner au moins le sourire à vos enfants défavorisés de l'équipe. Merci beaucoup. Nous arrivons donc au terme de notre émission. Et rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Merci encore. Et fidèle au poste. Merci.